Les conseils nutritionnels du Programme national nutrition et santé sont ceux que vous connaissez sous forme de 5 fruits et légumes par jour, une à deux fois de la viande, œufs, poissons deux fois par jour, etc. En fait, ces conseils du PNNS ont montré en effet qu'ils étaient associés à une meilleure qualité du vieillissement. Ce sont principalement les volontaires sains de l'étude SUVIMAX qui a été dirigée par le professeur Serge Arkberg, qui ont montré que ceux qui étaient au plus proche de ces conseils nutritionnels avaient un meilleur vieillissement à la fois sur le plan cognitif et sur le plan physique. Alors c'est vrai que les personnes âgées font peu d'activité physique. Les causes peuvent être multiples. Il peut s'agir de problèmes de santé, avec des limitations, des handicaps. Mais le plus souvent, on s'est aperçu que le moteur pour l'activité sociale était le soutien de l'entourage, la famille, les amis qui incitent à faire une activité physique en groupe. Et donc, c'est l'aspect social de l'activité physique qui remporte un peu la mise souvent. Après, il y a d'autres études qui ont montré aussi que la qualité de l'environnement dans la ville ou dans la campagne, la largeur des trottoirs, les qualités des passages piétons, l'existence de parcs, étaient aussi des choses qui avaient une importance significative sur les déplacements. La question de la dénutrition chez les personnes âgées est largement sous-estimée dans le public. Elle est sous-estimée à l'hôpital, où en général elle n'est pas reconnue, elle n'est pas diagnostiquée, elle n'est pas prise en charge. C'est vrai aussi chez les personnes âgées qui vivent à domicile et qui voient leur médecin généraliste. La perte de poids est souvent considérée comme une fatalité, alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Elle a des conséquences en termes de pronostic et elle est soignable, gérable, traitable, et on peut améliorer le pronostic des personnes âgées en traitant la nutrition. Je pense que ce qui est intéressant dans l'étude du vieillissement, c'est de voir justement les périodes de transition. Les périodes de transition où la prévention cardiovasculaire a du sens, la prévention de l'obésité a du sens, où on gagne en effet à proposer une alimentation variée, équilibrée, à essayer de lutter contre l'alimentation grasse, riche en sel, les sodas très sucrés, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pour un individu à quel moment cette prévention-là n'a plus de sens et à quel moment c'est plutôt intéressant de prévenir la dénutrition. Et ce moment est très variable d'un individu à l'autre. Ce n'est pas une question d'âge chronologique, c'est souvent une question d'apparition dans la vie des pathologies, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes locomoteurs. Et à partir d'un certain moment, la personne âgée devient fragile, elle perd l'appétit et elle commence à perdre du poids. Et c'est à ce moment-là qu'on n'est plus dans la prévention de l'obésité, mais dans la prévention de la dénutrition. Quels sont pour vous les premiers signes auxquels une personne âgée doit faire attention, justement dans quand elle commence à perdre du poids sans le vouloir, sans chercher à le faire. Ça, c'est un indicateur concret, très fiable. L'autre point, c'est quand une personne âgée s'aperçoit qu'elle ne peut plus faire autant de choses qu'elle pouvait faire auparavant sur le plan de la mobilité, de l'activité physique. Donc, c'est les critères de fragilité qui ont été beaucoup discutés peuvent rassembler quand même la vitesse de marche. Une personne qui commence à marcher lentement devient plus fragile. Une personne qui a du mal à se lever de sa chaise devient plus fragile. Une personne qui a du mal à faire les activités de la courante de la vie quotidienne, à porter ses courses, devient fragile. Ceux qui deviennent fragiles aussi, c'est ceux qui commencent à oublier un petit peu, à avoir du mal à programmer des activités. Celles qui deviennent fragiles, c'est aussi celles qui s'isolent socialement.